Salut, c'est Eric et Sonny. Et nous sommes deux frères. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ça me tombe bien d'être d'avis, je vous disais que c'est un métier de chanteur. On a commencé à faire de la musique ensemble. On était adolescents. Hein? Oui. Sonny devait avoir 13 ans, puis je devais avoir 15 ans. C'est exactement ça. En fait, ça fait précisément 25 ans. 26 ans, en fait. Hein? Qu'on fait de la musique. Pas 26 ans. 16 ans. 16 ans qu'on fait de la musique ensemble. Je trouvais que tes calculs étaient un peu. Ah, ben là, faites ça vite, là. Pas de calculatrice. Fait que ça fait 16 ans qu'on fait de la musique ensemble, mais plus sérieusement, je dirais que ça a commencé en 2010. C'est à peu près. Il y a 9 ans. Pour ceux qui ne te connaissent pas, le nom de deux frères, ça représente quoi pour vous? Ben, on a choisi le nom deux frères parce que de un, c'est simple à retenir parce qu'avant, on avait notre ancien nom de groupe, c'était Sou Mekaou. Puis là, on s'est rendu compte que tout le monde nous débaptisait puis les gens savaient pas vraiment à quoi s'attendre, tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de trouver de quoi de clair. On s'est assis ensemble, on a commencé à brainstormer en bon français pour trouver un nouveau nom de groupe. Finalement, on s'est arrêté sur deux frères parce qu'on trouvait que ça disait tout. D'un, on est deux frères. De deux, ben, c'est simple, les gens vont s'attendre à voir deux gars qui se ressemblent un peu. Puis en plus, nos chansons sont pas mal basées sur la famille, puis les valeurs familiales, puis les amis, tout ça. Fait qu'on trouvait que ça marchait bien. Durant des années, vous avez fait la première partie de Mario Pelcha. Ouais. Comment vous avez réagi quand Mario Pelcha vous a demandé de faire la première partie? En fait, comment c'est arrivé, c'est qu'on a rencontré Mario. Il s'intéressait à être notre producteur, mais il avait quand même certaines réticences parce que, bon, il connaît mieux que personne, je pense, l'état, si on veut, du marché. Du marché de l'industrie de la musique en 2015, à l'époque. À l'époque, ouais. À l'époque, mon Dieu, fait longtemps. c'est nous autres qui a demandé pourquoi on ferait pas ta première partie. Tu sais, il partait de nouvelle tournée, fait qu'on s'est dit pourquoi on ferait pas ta première partie. Puis au début, il était pas d'accord parce qu'il pensait qu'on avait pas du tout le même public. Fait que on a travaillé un peu, puis finalement, on l'a convaincu. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait plus de public en commun qu'on pensait. Puis ça nous a beaucoup aidé, je pense, à se faire connaître aussi de pouvoir faire la première partie de Mario Pelcha dans des belles grandes salles pleines. C'est souvent que je tombais aussi. Exact. Okay. Fait que c'était pour nous autres, c'était une belle façon de se faire voir par des gens qui, a priori, ne nous connaissaient pas du tout. Pouvez-vous faire une carrière internationale comme en France un jour? Ben, c'est un rêve qu'on caresse depuis longtemps. On est allé à quelques reprises du côté de nos cousins français. On est allé en Suisse deux fois. On est allé à Paris une fois. Ça s'est super bien passé. Il y a une belle réponse du public. Je pense que c'est pas quelque chose qui est impossible. Et évidemment, on va continuer de faire carrière ici. Ici, les choses vont bien. Puis de toute manière, on veut pas délaisser le Québec pour aller ailleurs. Mais certainement que c'est un rêve qu'on... On va tenter notre chance. Absolument. Ça va donner ce que ça va donner. Et, si on tente pas, on le saura jamais. On se croise les doigts. J'ai appris que vous allez faire une tournée artistique bientôt. À toi, ça va être différent des premières tournées que vous avez faites? La tournée acoustique, on a déjà commencé à la faire. On a trois spectacles de fait jusqu'à présent de la tournée acoustique. La semaine prochaine, on en a trois autres. C'est une tournée qui est beaucoup plus intime, où on parle beaucoup plus de nous, de où on vient, pourquoi on fait ce métier-là, tout ça. Puis c'est une tournée où on est vraiment comme juste deux sur scène, ce qui fait que les chansons sont beaucoup plus intimes. C'est pas un spectacle qui brasse nécessairement moins pour autant. C'est peut-être un peu moins intense niveau énergie, je dirais, mais c'est plus intimiste. Puis en même temps, ça nous permet de faire des salles qu'on n'aurait pas pu faire en formule full band. Des salles qui peuvent pas recevoir des gros bands comme ça, ou qu'au final, il n'y a pas assez de place dans la salle pour que ça vaille la peine de déplacer autant de gens. Ben nous, on peut se permettre de faire ces salles-là à deux. T'sais. Puis c'est un show qui est complètement différent. On fait, évidemment, on fait des chansons de deux frères. On fait les chansons qu'on pense être les préférées de notre public. Mais on fait aussi des reprises, des chansons qui ont marqué notre vie pour X raisons. On se livre beaucoup dans ce spectacle-là, on a des anecdotes, il y a même un moment où on parle d'une de nos grand-mères qui est funky, puis c'est un personnage, elle a laissé un message à Sonny pour sa fête sur son téléphone, puis on fait entendre l'intégrale du message au public parce que c'est tellement drôle, puis ça, en même temps, ça fait que les gens peuvent apprendre un peu qui est notre famille, d'où on vient, tout ça. Aussi. Exactement. Par le biais de notre famille, dans ce cas-là, qui est notre grand-mère, vraiment, vraiment funky.
à chaque fois que Tinda se retrouve pour votre deuxième album, elle représente quoi pour vous? Pardon? La chanson de Tinda, elle représente... Tiga? Ouais, elle représente quoi pour vous? Ben, c'est une chanson qu'on a co-écrite avec Steve Marin. Steve Marin qui a réalisé le premier et le deuxième album. C'est une chanson qu'on c'est un sujet qu'on tenait à aborder parce qu'Éric et moi, on a la chance de voyager beaucoup à travers le Québec, t'sais. Puis on a rencontré, il y a de cela quelques années, un petit garçon qui s'appelait malheureusement parce qu'il est décédé aujourd'hui d'une maladie infantile, mais qui s'appelait Tristan Boilly. Puis on a vu ses parents par la suite. Puis cette histoire-là nous a beaucoup touchés parce qu'on a fait un show bénéfice pour permettre à sa famille de pouvoir être à son chevet pendant qu'il est hospitalisé puis tout ça. Puis c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés. Puis quand Steve a parlé d'aborder des sujets, on a pensé à celui-là parce que c'est quelque chose qui... C'est un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on pense. Puis Éric et moi, on a la chance d'avoir des enfants en santé. Puis on trouvait important de pouvoir parler de ça, tu sais, de ce genre de sujet. Dans une histoire qui finit bien aussi, ouais. Parce qu'on avait le choix de... On avait le choix de comment l'histoire de petit gars allait se finir. Puis on connaissait la triste fin du petit Tristan. Mais on s'est dit, pourquoi pas parler d'un enfant qui s'en sort parce que, heureusement, parmi tous les enfants malades, il y en a quand même plusieurs qui s'en sortent puis qui réussissent à avoir une belle qualité de vie. Puis on trouvait ça intéressant d'aborder ce côté-là de la médaille plus que l'autre. En même temps, ben, c'est une chanson qui donne de l'espoir un peu, plus que... Si l'enfant s'en sortait pas au final. La deuxième fois, cette fois, que je vois en show dans votre nouvelle tournée. Et je me demandais, en fait, pour ceux qui ne vous ont pas vu encore en show, mais qui veulent vous voir en show, deux frères sur scène, ça ressemble à quoi? Deux frères sur scène, en fait, c'est un. On compare cette tournée-là à un party de famille parce qu'on veut vraiment. On essaie d'installer une ambiance familiale, chaleureuse. On veut que les gens qui viennent nous voir soient bien. On veut qu'ils passent un beau moment. Il y a aussi quand même certaines confidences dans ce spectacle-là. Il y a des blagues beaucoup. On a fait affaire avec Jérémy Demé et Gilles Cormier pour la mise en scène pour justement rajouter une touche d'humour. On l'a toujours fait un peu naturellement, l'humour, mais le fait de travailler avec des professionnels, ça nous permet d'amener ça à un autre niveau. Ouais. Puis c'est un beau party, je pense. En tout cas, nous autres, on a bien du fun. Je l'ai vu en show la première fois l'année passée, dans votre nouvelle tournée. Je me suis dit, c'est sûr que je vais aller voir en show. C'est votre humour que j'aime de vous. Vous avez un humour différent des autres chanteurs. Merci. Merci beaucoup, les deux. Ben, merci à toi.